Est-ce que vous êtes prêts, les amis, pour aller dans la grande faille, pour faire la grande faille? La grande faille de Rayman 2. Et salut à tous les amis, c'est Rio et j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette 8ème partie de Rayman 2. Là on est parti vraiment pour faire le jeu en entier, hein. Sauf problème, on ira jusqu'au bout. Au même moment, vaisseau, prison des pirates esclaves à bord, 33 524. Vous voyez que ça a augmenté. Et voici Barbe Tranchante. Qu'est-ce que c'est ? Votre horreur, il a déjà deux masques. Espèce d'imbécile. Part à sa recherche et ne revient qu'avec son cadavre. Et là, on va se faire harceler dans la grande faille. Ça commence direct, en fait. Je me souviens très bien, en fait. Le bayou, je pensais que... Ok, bah c'est un peu mort. Juste vous montrer ce qu'on peut. Décidément, la caméra veut pas jouer en notre faveur. Bon, c'est parti. Attendez, j'ai juste pas. C'est parti, les amis. Grande faille. Moi, j'appelle ça le Bayou version 2.0. Ah oui, bon, avec les bugs d'émulateur, on va sûrement avoir des bonnes surprises. Dis donc. Parce que là, voilà, il va falloir s'enfuir le plus rapidement possible, tandis que le vaisseau pirate va nous harceler. Et merde! Bon, j'ai loupé. Là, j'ai fait mon cracou. Le destin du monde dépend de toi, Rayman. Faut éviter les petits obus à papate. Écoutez-moi cette musique. La musique est juste folle. Je crois que c'est un de mes niveaux qui m'avait... Oh non! Ah, oh oui! Je sais pas comment j'ai réussi. Merde, j'ai loupé la cage. Bon. Trop tard pour revenir en arrière. La musique est juste folle! Écoutez-moi ça. Fait avoir. Je me suis fait avoir, voilà, comme un bleu. Bats-toi pour la liberté qui est au bout de tes poings. Ouh, j'ai failli tomber là. Alors, je crois que c'est après, il va falloir faire attention. Donc, je disais que ce niveau m'avait donné beaucoup de fils à retordre à l'époque, quand j'étais petit et que j'ai découvert le jeu. T'as le point de sauvegarde qui te suit, quoi. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont gentils quand même. Ils sont assez gentils, hein. Je pense pas que la difficulté soit au maximum, hein. Je suis suivi! Ah, j'ai du mal là. Rentrons vite dans cette petite crevasse. Là où ils ne peuvent plus nous suivre. Ah, maudit pirate, vous ne m'aurez pas. Barbe Tranchante, tu ne m'auras pas. Ben, franchement, j'adore le design des pirates dans ce jeu. Même les bateaux pirates, franchement, ils ont trop la classe. Allez, énergie, énergie. Ah oui, il va falloir monter là-haut. Ah. On se dépêche. Je m'en souviens de ce passage. Je m'en souviens trop bien. Je m'en souviens trop bien. C'est juste, mais... J'adore. C'est une nostalgie à 200%. Ah là, je me suis fait avoir. Il fallait que je prenne... La corde. Le truc du dessus. Voilà. Il faut descendre.
Ah, c'est sauf qu'il peut. Hein. Allez. Allez, Rayman, cours. Le destin du monde dépend de toi. Ah oui, les fameux tonneaux. Les fameux tonneaux. Les fameux tonneaux. Arrête de m'écraser, toi. On a une cage quelque part. Là-bas. Je crois qu'il va y avoir un pirate en haut, non? Je sais plus. Ne tombe pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Des fois, je comprends pas pourquoi il fait ça. Ouais, c'est ça, il y a un pirate. Je sais plus où il est, mais il y a un pirate, quelque part. Allez, monte, mais dépêche-toi, là. Et bien que ça descend, enfin que... Ok, il est là. Et encore un ami. Putain, j'en ai loupé plein des lumps. Enfin, pour l'instant. Je sais pas si on en a loupé plein. J'en ai pas beaucoup. Et voilà, repartons. Nous cacher à l'abri de ces, des boulets de canon du vaisseau pirate. Capitaine Barbe Tranchante. On va pas être content, car il veut notre cadavre. Ah, et le revoilà. Faire le grand saut. Attends, les environnements sont vachement beaux quand même. Mon dieu, c'est un bug. C'est un bug de l'émulateur. Cours, Rayman! Ouf, je passe en dessous. Putain, la musique elle est juste trop bonne, trop excellente. Mais non! J'avais pas si fait un sans faute jusque là. C'est dommage. Que je suis seul, personne pour m'aider. Ah là, je me suis fait avoir par le bug de l'émulateur. Bon, dommage. Mais bon, ça arrive. Hein. Il fallait que ça arrive. Là aussi, merde, je me suis fait avoir par le bug. Allez, on se concentre. Bon, là, j'ai fait n'importe quoi. C'est bon. J'ai loupé mon saut. Une fois que tu loupes ton saut, c'est un peu foutu. Bon, là ça va, c'est après là. Oh là là, oh comment j'ai évité le truc, enfin comment je me suis planté comme un con là. J'ai mort de rire. Comment j'ai loupé le truc, c'est pas possible ça. On va dire que c'est la faute à pas de chance. Parce que franchement, il n'y a rien de difficile. Ça va, j'arrive à reprendre de la vie à chaque fois. Bon.
c'est bien. Allez, on se concentre. Je vous laisse écouter la musique. C'est bon. On y arrive. Bah alors, elles sont où tes boulets de canon? Bon là c'est l'hélicoptère, hein. Si jamais tu enlèves ton hélico, c'est foutu mon gars. Tu tombes direct comme une masse. C'est pour ça qu'il va falloir détruire tous les ennemis qui vont nous arriver sur la tête. Porte bien son nom quand même ce niveau aussi, hein, la grande faille. Moi je touche plus au bouton, hein. Ça y est c'est fini. C'est bien ça, Rayman. Concentre-toi. Concentre-toi. Là, je sais pas où il faut aller. En bas, je pense. Enfin, en bas, bien sûr, mais... En bas, où? Hein? Quoi? Je sais par quoi, là. D'accord. Bon. Heureusement que je peux faire l'hélicoptère en tombant. Ah... Bateau pirate, il est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Je me suis pris un truc, mais j'ai pas vu quoi en fait. Ah, c'est un boulet. Ça devait être un boulet. Allez Rayman, cours! Cours Forest, cours Rayman! C'est pas Forest, c'est Rayman. Et non, dommage Rayman, tu es mort avant. C'est dommage, on était presque à la fin. Si je me souviens bien. Allez, fuis, Rayman. Je vais t'aider, mon ami. Où es-tu? On voit rien du tout avec la caméra. Le combat du siècle. Putain, ils me harcèlent, hein, les pirates. Ils veulent vraiment mon cadavre. Hein. Ok, il m'a tué. Sans déconner. Ah, il a une grosse barre de vie, j'avais pas vu. Ah! Ah ok, s'il me touche, je suis mort. Je comprends là. Vraiment rester loin de lui. Je suis là mon ami. Ah c'est la fin du niveau. Il n'y avait pas un autre truc à prendre. Si à mon avis il y a une autre cage.
Ah bah tiens, regardez-moi ça. Ça c'est important aussi. Putain, mais t'as fini de me harceler, vaisseau pirate. Je suis étonné qu'il n'y ait pas une dernière cage quelque part ici. Hormis celle-ci. Quand même vérifier là-haut. Le mini-boss. C'est un bateau qui s'est échoué, ça? En fait, on est sur un parquet de bateau. Bon, bah, a priori, non, j'ai loupé une... J'ai loupé une cage et deux lums. Dommage. C'est dommage, bon, bah, tant pis, hein. Écoutez, hein. Petite danse de la fin. Et voilà. La grande faille. Bon, c'est bien quand même. On a bien joué, Rayman. On a bien joué. Alors. C'est quel niveau après? Le toit du monde. Alors, le toit du monde, ça ne me parle pas comme ça. Mais je pense que ça va me rappeler des souvenirs quand je vais, on va lancer le niveau. Donc on se fait un deuxième niveau, parce que là ça fait que 16 minutes. Elle sera plus longue que la dernière vidéo. Alors qu'est-ce que c'est que ce niveau? Ah, je me demande si c'est pas un niveau aérien, intégralement aérien, ou quasiment aérien. N'aie pas peur, Rayman. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il va y avoir des passages assez ardus, je crois, après. Ce niveau est vachement beau, quand même. Il est vachement coloré. Enfin, comme beaucoup de niveaux de Rayman, quand même. Mais il est vachement... vachement sympa. Bon, pour l'instant, tout va bien. Ouvre-toi, voilà. Alors, à mon avis, on n'aura pas tous les lumes encore. Hein. Et toutes les cages. Ah oui, là, il faut tuer un pirate pour ouvrir la porte, non? C'est pas ça. Ah, peut-être pas. Bon, je l'ai pas vu, a priori. Ouh la vache. Il tourne la tête, sinon il va perdre la tête. Notre ami Rayman. Faudrait pas qu'il perde la tête quand même. Déjà qu'il a pas de corps. Il a des mains, des pieds et une tête. Bon là tout va bien. Bon, on a passé une partie du niveau. Sans difficulté réelle. Loading. Go! Attention, intrus. Attrapez-le. Ah. Merde! C'est bon, je l'ai eu. Bon, a priori, je l'ai eu assez facilement. C'est un saute-mouton, là. Eh merde, saute-mouton. Ok, raté. Je vois rien, caméra, caméra. Il va y avoir un truc, je crois. Non, ce serait tout le monde qu'il n'y ait pas de pirate ici.
Il y a une cage. Ah si, je me disais bien aussi. Allez, monte, Rayman, normalement tu peux monter direct comme ça. Là. Ils ont donné l'alerte, je suis dans la mouise. Ah, foiré, pas eu le temps. Ah! C'est bon. J'imagine que c'est par là, il y a une cage là-bas. Ah voilà, va falloir monter. Hop, un petit lumps. Ça fait plaisir, alors on est à 39. Ne tombe pas, Rayman. Ce serait gentil. 40 lumps. Est-ce que la porte est fermée? Non. Je me méfie des coins maintenant. Ah! C'est que j'ai dû oublier quelque chose. C'est déjà la fin du niveau, ça paraît bizarre quand même. Alors là, visiblement, j'ai tout pris. On va revenir sur nos pas. Attendez, là, il n'y a rien. Tiens, un petit lumes caché, hein. Un petit sournois. Alors ici. Là non. Là non plus. J'étais ici. Non, je n'ai pas été ici. Et merde, je suis tombé. Il fallait pas tomber là. Où est-ce que c'était? Est-ce que là je peux tomber? Non. Je ne le savais point. Alors. C'est-à-dire qu'il faut aller là. Un ennemi qui va surgir. La grosse boule d'énergie, peut-être? Non. Alors, il nous faut notre ami Lobu. C'est pour ça qu'on a une plateforme ici, d'accord. Mais où est-ce qu'on le trouve, notre ami Lobu? Il doit pas être très loin d'ici. Il n'est pas là. Où est-il ce charmant ami? Ce charmant ami.
Il est là. Très bien. Alors allons-y. Normalement quand on fait A... Ok, on peut pas sauter en même temps, enfin... On pourra pas sauter. On va devoir faire super gaffe. Alors attendez, on va voir ce qu'il nous fait. D'accord, là il se retourne. Ouais. D'accord, bon. Vraiment, on a juste le temps d'y aller, ouais, c'est ça. Bon, bah rien de compliqué, hein, au final. Ah, le voilà, notre ami. Tu étais caché ? Enfin, caché. T'es pas monté là-haut ? Non. Caméra a décidé de stopper, de rendre l'âme. Oh le con. C'était donc pour toi le petit morceau sur le côté. Bon. Et je me trompe de chemin. Je te suis mon ami. Je peux te tuer ou pas? Non, je peux pas te tuer. Tu vas réussir à grimper? Ah oui, il grimpe super bien. Notre ami le petit être. Petit être. Je passe devant, je te protège quand même. Je sais pas, je ne sais pas où c'est. Je sais même que c'est par là-haut. Hein. Oh, c'est ça, c'est là-haut. Dépêche-toi un petit peu quand même. Où est-ce qu'il est? Dépêche-toi. Allez, viens. Et voilà, on pourra faire une danse de la victoire. Et voilà. Bon bah écoutez les amis, ça va faire 30 minutes, pile poil. Parfait. Le toit du monde. Et je pense qu'après on va avoir un autre temple. Un autre sanctuaire. Si je me souviens bien. Le sanctuaire de la terre et de la lave. Et après, ça va être sous le sanctuaire. Enfin voilà. Après, il y a d'autres niveaux. Écoutez, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette 8e vidéo sur Rayman 2. On est parti pour faire l'épopée entière, voilà, pour faire le jeu en entier, le let's play, comme vous voulez l'appeler. 8 vidéos, il y en aura sûrement 10, 11, 12, je sais pas. On verra bien si j'ai le temps, si j'ai la motivation. Je vous dis carpe diem, mes amis, et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous!